Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril à 12h13. Pour commencer, je vais manifester ma 14e, 15e et 16e plainte. Bon, là, ici, c'est une évidence réellement claire par rapport à la dernière fois que j'ai joué à 3 joueurs. Ces deux joueurs-là vont jouer contre moi pour l'emporter. Au lieu de jouer pour eux, pour eux-mêmes, ils me sautent les deux dessus pour me vaincre. Car vous voyez, le joueur qui joue Kirby, il fait rien. Regardez, vous voyez, les deux s'en prennent à moi. C'est de l'acharnement. Et pour cela, ça mérite une pénalité majeure. C'est pour ça que moi je trouve ça dommage que des fois on n'a pas des matchs équitables. Parce que il va toujours. Des fois, il va arriver à certaines diverses situations qu'à trois joueurs, il y en a deux qui vont sauter sur le même joueur. Au lieu de se frapper. Au lieu, genre, exemple, le joueur 2 frappe le joueur 4 de temps en temps. Maintenant, il joue à deux pour me vaincre. Ça, c'est encore une preuve de lâcheté, mais aussi c'est de l'acharnement sur le même joueur. C'est une évidence claire, là. Vous voyez? Vous voyez, ils jouent à deux contre moi. Je sais pas pourquoi Nintendo ils ont inventé. Ils ont inventé une espèce de fiche. Ça sans savoir si ces joueurs-là ont été pénalisés par la suite. Prenez le temps d'analyser mes vidéos puis en fait disant bon usage. Parce que je suis souvent victime d'acharnement de la part de certains joueurs. Ils se mettent à 2 ou à 3 pour me vaincre. 2 à 3. Puis les matchs sont injustes par rapport à ça. Ça méritait une pénalité d'un mois pour ça. Pour savoir s'acharner sur le même joueur. Je vous le prouve là, ici même. Encore une, pour une deuxième fois. Quand on joue à trois joueurs. La dernière fois, c'était un NES avec un... Je me souviens plus qui, mais j'étais Little Mac la dernière fois, je m'en souviens. Puis les deux jouaient contre moi. Là, ici, c'est vraiment clair qu'ils jouaient les deux, ils me sautaient dessus. Les deux en même temps. Pour me vaincre. Ça s'appelle de l'acharnement. Pur et simple. C'est sûr. C'est clair ici. Je vous l'ai démontré ici. Et j'aimerais qu'une action soit prise en considération pour ces deux joueurs-là, s'il vous plaît, si ça n'a pas été pénalisé. J'aimerais le savoir si eux ont été pénalisés pour ce geste. Parce que s'il y a eu des peines dans Super Smash Bros. Pour ça, il me semble que l'espace réservé pour acharnement devrait s'appliquer ici. On se rejoindra pour une prochaine vidéo.